Pas mal. Ah, d'accord, tu crées tes alliés. Ils avaient quelques jeux comme ça en coop Square à l'époque. Notamment Secret of Mana, tu pouvais jouer en local avec d'autres gens. Ce qui est assez cool en soi. Pourquoi il y a un saut ici? Ça m'embête tous les cul-de-sac, y a pas de coffre. Normalement, les cul-de-sac, c'est fait pour les coffres. C'est de l'arnaque. Ils ont même des PV ceux-là. Ah. Il a failli m'échapper celui-là. Il est tout seul lui. Je me méfie des ennemis seuls. Putain. Re-Evan. Nya, y a une taupe dans le coin. Merde. Je n'y suis pour personne, personne je vous dis. Et je ne crois pas non plus avoir entendu le chef nous appeler. C'est trop effrayant, creuse, creuse, creuse. D'accord. Là ça m'embête, ils sont tous différents. Pas touche mon mana, toi. Évidemment. Thank you.
Ah, c'est intéressant, ça, soin complet. Alors, soit il y a ce passage, soit il y a l'autre. Quand même aller jeter un oeil ici. Ça m'intéresse moins déjà, j'aime pas trop les trucs aléatoires en fait. Mais je suis devant, non? Pas devant, d'accord. Un casque de pierre. Putain, j'ai même pas mis les trucs là. Ça fait quoi ça? Boucle d'oreille, bague de templier. Je sais pas ce que ça fait ça concrètement, mais... Ah oui, il faudrait que je le... Faudrait que je le truc. Ah non, mon chien marmite est trop loin. Pourquoi j'ai fait ça moi? Je pouvais faire une sauvegarde rapide, c'est tout. C'est pas grave. Ah bah en groupe c'est forcément mieux qu'en seul, ça c'est sûr. Mais même en groupe c'est beaucoup trop aléatoire pour valoir le coup. Je préfère lancer une super tornade ou je sais pas quoi là. J'ai horreur des trucs aléatoires en fait. Je crois que c'était une taupe de métal. Jeu de main. Jeu de main, jeu de vilain. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc de ouf et en fait non.
Oui, une grosse bête là-bas. Elle aussi, 250 à la cantine. Myope comme une taupe. Waouh, ça sonne bien, j'en étais sûr. Yeah, un nouveau son pour Mister Taupe. Avec cette harpe, je suis plus groovy que jamais, baby. Toutes ces années passent à creuser vers le château, mais vous êtes tous restés fidèles jusqu'au bout du tunnel. Hey, allez les gars, c'est quoi ce silence? Oh, je comprends, mon groove balance tellement que vous en restez tous sans voix, hein. Je crois que t'es un petit peu en avance, Evan. J'ai pas Dory Shulk. Dory Calc. Dory Shulk. J'aime bien dire Dory Shulk. Hein? Eh, hey, vous là, vous êtes en territoire taupe. Et sans public, je ne suis rien. Un morceau funky, ça vous tente? Oh, arrière! Alors on vient me voler ma harpe, c'est pas cool. Je suis prêt pour le grand show, je vous attends. Pas le temps d'écouter ta harpe, mon gars. Moi, je suis là pour latter des couilles. Ah non, je vais pas faire cela, je pense, Evan. Ça c'est sûr que je vais oublier, connaissant ma mémoire. Ça, c'est sûr et certain. Super tornade. Tip top. Lesquels je vise là? Celle-ci. J'ai intérêt à me débarrasser des petites là, mais je sens qu'ils vont en rappeler après. Ah putain, il m'a mis deux dans le coltard. Hein? Ils sont en train de se taper. Ah oui, d'accord. Ouais, ça m'arrange pas tout ça là. Putain. Ah. Merci, j'ai repris mes esprits comme ça. En fait, Yongu, je vais le faire attaquer le boss. Voilà, parce que ça sert à rien, elle fait des AE. Et je vais pas prendre de risque. Hop. Allez, je sens que j'ai de la chance là. Ou pas non plus. Alors, soin partiel.
Jessica. En fait, j'aurais dû faire ça avant, j'ai été stupide. Qui j'ai soigné? Ok. Oh putain, je savais qu'il allait attaquer avant. Bon, c'est pas dramatique, mais je crois que j'ai rien pour la raise malheureusement. Elle va encore pas toucher l'XP, la pauvre. Hein. C'est pas normal ça. Jessica la traîne, ouais, comme d'hab. Ah mais tout le temps elle crève chez moi. Parce que je prends pas mes précautions en fait. Est-ce que ça marche de paralyser un ennemi? Enfin, un boss. Ah non. Nice. Ouais, il va m'aider lui. Ouais. Ah non! Ah, c'est pas trop méchant là. C'est bien finalement, il y en a un qui la remplace. Merde, j'ai soigné qui là? Je sais plus. J'espère que je me gourre pas. Et que je soigne pas deux fois le même. Bon, en même temps, c'est pas très grave là. Non, c'est tout bon. Ouais, j'aurais pu faire une autre tension en fait, hein. Non! Ah, j'ai pas de bol là. L'autre il s'est enfui quoi. Ah merde. Je crois que je me suis gouré de soin. Pourquoi j'ai soigné Yangus, moi? J'hésite. Normalement, il va agir le premier Angelo, je pense. J'espère. Sinon, je fais une connerie, là. Non, c'est bon.
Ok, ça c'est réglé. Ça monte trop dans les aigus. Alors, 1500, ouais, ça va, c'est pas non plus ouf. Ça sera vite récupéré avec du mercure, ça. Ah, t'as raison, Licoula, je joue pas assez avec la tension. Je pensais que ça durerait beaucoup moins longtemps, en fait, le combat, mais... Une étoile s'éteint. Les choses sonnent. Allez, sont partis. Sont allés trop loin. Chef! Chef, tenez bon! Merci de l'avoir fait taire, mais inutile de faire une montagne d'une taupinière. Il lui arrive de voler des trucs et sa musique est catastrophique, mais à part ça, c'est un super chef. Vous pouvez reprendre la harpe, comme ça vous pourrez peut-être en rester là pour cette fois. Les 6 autres coffres là qu'il y avait. C'est bien joué la harpe, hein, mais... Il y avait d'autres trucs. Cool death. Alors, on se casse d'ici. Et on va aller ressusciter Notre-Dame. Tuk tuk tuk. Rester à ce compte. Mais non, putain, n'importe quoi. Si, faut aller à la raise. Et après, je vais au château. Elle est moins chère la petite, hein. L'autre, elle m'avait taxé 20 ou 25 pièces d'or. Ah mais je suis bête, c'est vrai qu'il faut d'abord aller... La ressusciter. Tu peux rester toi ou pas? Non, toi tu vends des objets. Il faut que j'en achète d'ailleurs, je crois. Est-ce qu'il y a des trucs pour la mana? Faut que j'achète ça. Direction l'église. Et c'est pas le bon bâtiment, je crois. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi, c'est la bière. Putain, elle me coûte cher, Jessica, hein. 210 balles. Toujours la bière. En plus, j'aime pas ça, mec. Si tu savais à quel point. Mais j'en bois pour le côté convivial. Ah mince, j'ai appuyé sur B au lieu d'appuyer sur A. Bah non, pas une bière pêche quand même. C'est encore pire.
Ça fait une bière sucrée, c'est trop bizarre. Mais putain! J'appuie trop vite, je me téléporte partout, c'est l'horreur. Heureusement que les temps de chargement sont pas longs, hein. Alors, château de Trodin. Tu es l'amertume? Ah, moi ça me dérange pas. Je bois une bière avec des M&M's. Bruit. Ah, faut que je revienne. Oh putain. Non. Faut que je revienne de nuit, c'est ça? On dirait qu'il fait nuit là. Hein. Eh, hey, t'as changé, hein? J'en aurais fait des changements de zone dans l'espace de 3 minutes là. Heureusement qu'ils ont débloqué cette porte parce que je me voyais mal me retaper tout le truc là. Ah non, c'était pas ça, putain. Bah du coup, je retourne comment pour le voir l'autre Zulu là? Faut que je rappuie sur le truc. Même pas. J'ai même pas fait gaffe en fait. Ah merde, c'était là. Putain, mais je suis trop con moi. Je suis passé juste à côté en plus, je parie. Et du coup, ça s'ouvrait de jour ou pas? La bonne question. Bon, ça va, j'y suis pas allé pour rien, c'est le principal. J'ai vu passer de nombreuses lunes, mais jamais auparavant le temps ne m'avait paru s'écouler si lentement. Je devine l'issue de votre quête à l'éclat de vos yeux, vous avez retrouvé la harpe d'ombre lune. S'il vous plaît, montrez-la-moi. Montrez-moi l'instrument puissant qui ravivera le souvenir de l'océan. C'est quand même super joli sur la 3DS. Cette harpe a voyagé très loin, tout comme vous. Je n'aurais jamais cru qu'elle retrouverait le chemin de mes mains. À présent,
Attelons-nous à la tâche. Allons au bateau, la musique l'éveillera de son sommeil et lui permettra de naviguer à nouveau. Il a trop côtoyé Sheik, lui, non? Que se passe-t-il? Comment sommes-nous? Ce bateau, la harpe d'ombre lune et moi-même sommes semblables. Nous venons tous de l'ancien monde. Je vous remercie de nous avoir réunis, nous autres anciens. Ah ouais, faut que j'arrête la bière là. Maintenant, venez, venez à moi, temps révolu. Viens à moi, vieil océan, reviens une fois encore. Il a fait pipi dans sa culotte. Elle est nulle ta harpe, elle marche pas. Non, serait-ce même au-delà du pouvoir de la harpe d'ombre lune? Ah non, attendez. Pardonnez mon ignorance. Tout d'abord, je n'ai vu qu'un cheval, mais je vois à présent que vous êtes en réalité une noble princesse. Bien sûr, la magie commence par un mot, la musique commence par un chant. La voix magnifique de cette princesse ensorcelée et tout ce dont ce puissant instrument a besoin pour libérer sa musique. Princesse, je vous en prie, venez à mon secours, chantez avec moi. Je crois qu'elle va avoir du mal, la princesse, hein. C'est quoi ce bateau, on dirait une ancre? Il est plus long en hauteur qu'en longueur. L'heure est venue de nous séparer. Je chanterai pour bénir votre voyage sur le vieil océan, mes enfants. Il est vraiment bizarre ce bateau. Sapristi, nom d'une bique, ventre bleu, il s'est passé quoi là? Arrêtez si maigre et ridicule, tout ça c'est grâce à ma précieuse Médéa. Ouais, bon, au moins le bateau est en état de fonctionner maintenant, hein chef? Sympa. Il est un peu tôt pour se féliciter, non? Nous avons encore beaucoup à faire. Comment retrouver Dolmagus, par exemple? Tu te souviens? À la base, c'est pour ça que nous nous sommes donné autant de mal pour avoir ce bateau.
Bon, c'est Dolmagus a quitté le continent et... Je suggère que nous allions vers l'ouest pour voir si nous pouvons le rattraper là-bas. D'accord, Tox ? Je voudrais dire non. Très bien, alors c'est décidé. Cap vers l'ouest, c'est parti ! Ah genre, je peux pas choisir d'aller où je veux, là. Donc, je croyais que j'allais pouvoir me balader. Ah, les golems d'or. Ah ouais, il va falloir que tu me dises ça sur Discord. Tu connais ma mémoire légendaire. Je vais pas tarder à arrêter en fait. Ça me paraît pas mal. Lorsque tu vois un bout de terre et que tu veux explorer, dirige le bateau droit dessus. S'il s'agit d'un endroit accessible à pied, tu pourras débarquer si tu le souhaites. C'est assez simple. Maintenant, levons l'ancre et relançons-nous à la poursuite de Dolmagus. Ah oui, d'accord, si je peux me déplacer en fait où je veux. Je présume que c'est l'île qui est ici. De toute façon, je veux faire des trucs off-stream, genre... D'accord. Genre déjà monter les persos, parce que Jessica s'est fait flinguer, avec les glands de mercure qu'il y a au château, si toutefois c'est toujours accessible. Je veux voir ça dans tous les cas. Bref, messieurs, dames, c'est la fin de ce petit live. Les rediffusions seront comme d'habitude disponibles un petit peu plus tard, il y aura certainement 3 parties, voilà grosso modo. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous aimez les vidéos qui sont présentes sur la chaîne. Messieurs, Likula, Sadis, je crois qu'il ne reste que vous deux là. A plus tard, encore merci, ciao bye bye.